Salut tout le monde, c'est Warconix. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, la première de cette série Fairy Tail Information hashtag numéro 1. Hé, hey, toi là, jeune homme. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, dis-moi, regarde un truc. Est-ce que tu connais cette chaîne, Warconix? Que t'es abonné à cette chaîne? Alors, j'ai déjà fait pour les connaisseurs et connaisseuses. Sauf que quand j'ai perdu ma chaîne de 3000 abonnés, bien entendu, je me suis dit, ça n'a plus aucun intérêt, je vais pas reprendre. On était bientôt au 50e, ce qui est énorme. Mais bon, c'est pas grave, on va reprendre de zéro et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, comme ça, je pourrais vous expliquer un petit peu ce que vous retrouverez sur cette chaîne YouTube, même si je l'ai déjà fait. Mais je pense qu'avec cette vidéo, ça va ramener un peu plus de monde. C'est ce qui m'a fait connaître et j'espère que ça va peut-être aider. Merci à tous ceux et celles qui m'aideront pour l'avancement de cette chaîne YouTube. Je vais y contribuer également. Mais il faut, bien entendu, que vous le fassiez également. Alors, déjà, la quête de 100 ans. Il faut savoir une chose, que c'est un spin-off. Il y en a beaucoup qui ont oublié cela. Et c'est vrai que les spin-offs de base, c'est comme un OAV, si on peut aller dans cette gimmick. Mais moi, je me dis que c'était sûr. Une adaptation anime, c'était sûr depuis le début. Beaucoup ne m'ont pas cru. Beaucoup ont dit, tu balances ça à tout et à travers. Mais il y a le moment fort. Je vais vous le passer juste tout de suite. Et puis voilà. À nous la quête de 100 ans ! Je sens que je vais tout cramer ! À chaque fin d'EP de Fairy Tail, Dark, plus précisément, vous avez ce message. C'était sûr que avec ce message, vous auriez l'adaptation anime de la saison 10. Alors, il faut savoir une chose. Mashima a eu deux choix. Quand il a commencé la quête de 100 ans, il faut savoir que ce n'était pas le chapitre 1. C'était le chapitre 366. Il faut que je revoie les... Il y a combien de chapitres au total, mais de toute façon, ce sera marqué en haut à droite. Hein, parce que c'était pas le chapitre numéro 1. Et ils ont fait en sorte, je sais pas, j'ai fait une vidéo dessus en disant... Chapitre 346, je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et bizarrement, Kodansha eux-mêmes me suppriment. Pas la société en elle-même, c'est-à-dire Pika Edition ou quoi que ce soit. Non, non, Kodansha eux-mêmes. Ça veut dire que ils savaient que ça allait être une suite de Fairy Tail, mais ils ne voulaient pas que... ça soit trop vu, parce que la vidéo, évidemment, elle a marché, et elle était quand même à plus de 10 000 vues. C'est pas énorme pour certains, mais c'était quand même quelque chose. Maintenant, on est reparti de zéro, ce n'est pas grave. La quête de 100 ans, dès que ça va sortir, il va y avoir des réactions, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres choses que je vais vous faire découvrir, ce soit Ravemaster, il faut vraiment que je vous le fasse découvrir. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Ravemaster, le premier manga, premier chef-d'œuvre de Hiro Mashima. Il y a le deuxième qui est Fairy Tail, Eden Zero qui est un peu sous-côté parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas donner la chance à cette œuvre. D'ailleurs, il faut que je continue parce que j'ai quand même les 17 tomes de Eden Zero, mais je n'ai pas continué, je suis au tome numéro 5. D'ailleurs, je ferai les réactions de Eden Zero, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Également, il y aura des unboxings parce que du coup, j'ai tout perdu et j'ai pas pu récupérer les vidéos. Donc, vous aurez les unboxings de pas mal de choses, les premiers coffrets 1 et 2 de toutes les saisons et bien entendu, le coffret 1 et 2 de la saison 9. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des idées de vidéos, n'hésitez pas encore une fois. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je suis tellement fier de ça. Il sous blister, hein, bien sûr. C'est encore mieux. Franchement. Un Shikishi. De 2018. Je suis bien content de l'avoir.
En tout cas, donnez-moi vos hypothèses pour la quête de 100 ans, parce que ça va être une tuerie. Est-ce que on va avoir 25 EP ou un peu plus? Je sais pas. Parce qu'il faut savoir une chose, 25 EP, c'est l'équivalent de 10 tomes. 10, 12, 10, 11 tomes, à tout casser. Ce qu'ils ont fait pour Eden Zero. Et on est bientôt déjà, on va aller jusqu'au tome numéro 20. C'est plutôt pas mal. Franchement, attendez, on va arriver au tome numéro 20. On est à 11. 11 tomes à tout casser. Où la saison 1, c'est fini. En plus, là, on va avoir la suite de la VF du prochain arc. Donc ça va être génial. Et je pourrais vous faire les réactions. Bien entendu, pour tous ceux et celles qui se demandent pour les réactions, là, j'ai pas de soucis cette fois-ci. Pourquoi? Parce que déjà, le youtubeur Rudolf, désolé si je prononce mal ton nom, il fait que ça depuis X temps. En gros, vu que cette fois-ci, moi, j'ai été signalé pour escroquerie, pour spam et bien d'autres, je me suis dit, pourquoi pas recopier un peu Rudolf, parce qu'il le fait exactement la même chose que moi. Je ne recopie pas son concept, hein. Je le fais à ma manière. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire. Je l'ai fait et ça a marché. L'OAV numéro 4 de Fairy Tail, il est toujours là. J'ai pas eu de problème de droit d'auteur. Le nouveau anime un peu polémique, il a pas eu de soucis. Bon, j'ai eu forcément le Peggy 18 parce que voilà, j'ai dû censurer certaines scènes, ce qui est normal. Mais ça marche plutôt bien parce que, en gros, comme vous mettez votre tête, vous mentez pas sur le titre. Parce que ce qui a fait que j'ai été signalé, c'est parce que j'ai menti sur le titre ouvertement. Pourquoi? Parce que comme je mettais 10 secondes, vraiment hein, 10 secondes, de l'EP en question, de soit de Squid Game ou de beaucoup d'autres animes ou séries, eh bien les gens vont se dire, bah la suite c'est ça. Vu que ma vidéo en elle-même dure le temps de l'épisode, eh bien forcément les gens, ils sont là en mode, mais c'est foutu de ma gueule. Sauf que, vu qu'ils n'écoutent pas la suite après les 10 secondes, parce qu'ils regardent même pas une minute de la vidéo, je l'ai vu, eh bien, je me fais signaler. Sauf que quand j'ai vu que la vidéo avait quand même plus de 300 dislikes et 700 likes, je le savais pertinemment que j'allais perdre ma chaîne à un moment donné. Parce que avoir autant de ratio de dislikes, c'est énorme. C'est énorme parce que quand il n'y a pas de raison que la vidéo soit supprimée, ok. Mais quand il y a une raison, malheureusement, bah, les bots ils font leur boulot et on ne peut rien y faire. Voilà. En tout cas, on va repartir sur de bonnes bases. Et bien entendu, ce sera une chaîne consacrée à Mashima, bien entendu, c'est ça. Il y aura d'autres vidéos, bien entendu, sur divers animes. Voilà. Maintenant, je sais pas où je vais aller. Il y aura des let's play sur Kaito Nightmare. Ça peut être pas mal, ça. Et je verrai bien. Il y aura des vidéos peut-être aussi avec ma chérie un peu plus tard. Il y en a déjà eu une, je crois, si je ne me trompe pas. Bah non, parce que je ne l'ai pas encore montée. Il faudrait peut-être que je la monte, d'ailleurs. Et voilà. En tout cas, moi, j'essaie de me reforger une communauté. C'est quand même très compliqué. Je me suis dit, je vais peut-être demander à Reito pour me faire une micro-pub, pas en vidéo, hein, mais post-communautaire. Ça pourrait déjà m'aider et tout ça, parce que je le connais. Bon, je ne vais pas parler pendant longtemps, mais quand il a perdu sa chaîne YouTube, j'étais là, même avant, j'étais là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas lui demander, mais en fait, je me suis dit non. Je vais peut-être pas demander, parce que en soi, il faut que je me forge moi-même, en fait. Il faut que je me forge moi-même et on verra bien. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis longue vie à Fairy Tail, à tous les autres univers d'anime. Et puis, moi, je vous dis, c'était Warconix. À la prochaine! Allez, viens, ça sert à rien de pleurer! De toute façon, on ne se quittera jamais! Attendez! J'ai même pas eu le temps de faire mes bagages! On
s'en est occupé. Oui, on t'a pris plein de sous-sexy.